Géraldine Maillet de TPMP explique pourquoi la maladie de sa mère lui faisait honte. Durant son adolescence, Géraldine Maillet a eu à affronter avec douleur la maladie de sa mère. Celle-ci est devenue sourde alors que sa fille sortait de l'enfance, chamboulant tout un quotidien. Mardi 26 juin sur le plateau de la télé Même l'été, l'émission qui remplace Touche pas à mon poste sur C8 durant la période estivale, la chroniqueuse et romancière s'est souvenue de moments marquants. Benjamin Castaldi, présentateur de l'émission, a demandé quelle a été la pire honte provoquée par les parents. La réponse de Géraldine Maillet était toute trouvée: ma mère est devenue sourde quand j'avais 13 ans. J'avais honte d'elle parce que les gens parlaient et elle ne répondait pas, on disait qu'elle était mal polie, confie-t-elle. Donc depuis, je ne me fie pas à la première impression ni aux a priori que je peux avoir sur quelqu'un. Puis d'insister, j'avais absolument honte de maman et c'était horrible. Je suis devenue écrivain grâce et pour elle, pour pouvoir m'exprimer. L'enfance de Géraldine Maillet a décidément eu des moments compliqués. Elle se livrait à ce propos auprès de Téléstar en 2016. Mon papa nous a abandonnés avec maman quand j'avais 5 ans. Maman était alors étudiante en médecine. On s'est retrouvés dans une grande précarité. Elle a réussi à obtenir son diplôme de généraliste. Un an après, elle est tombée malade et est devenue malentendante. Elle a repris des études pour devenir radiologue, unique spécialité qu'elle ne pourrait pratiquer qu'avec ses seuls yeux. J'écris au début pour communiquer avec elle. C'est grâce à ma mère en fait que j'ai découvert l'écriture.